الزلف اللون نجاون تكثيوين اون داوير ثيك التانس كاسي نظن غاني في شدن اشو ايدي ضغانا كان دي فراني ني غوفيروندوم نتموت ان الجزائر مشا نكوني كان زغام اغفلنا اغفلنا ام قرحان التابوث التقبيليت اكن زغام التين ودي فكان اول يس ذاكن ولاش 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 الفوت ادي تموت ان يقبل اك نيفو يلي ذا جوث الفوت اكين لدغا ثمن داو ثكين نتبون نبغى ان مسلي غافون شاكين اشكو اللي تموت الثقبيلي ثكي تقصن الغيوي يا فرحات مهني سلوي ونبض اقبلي اعضي الاكساول انه ذا فوغ تزيري كنا ذي بذو مشي ورنا ان من قال نيغوسياسيون افوز كانت تموت القبايل ذا غنسرنا ثان النظام اللي قارن داكن ذو لقرار ثمو القبيلة التسعوة إني من قارن ستاتيو بوليتيك إنس أما سوذم أفيديرالي نار سوذم أنتمناطنت أنتمناطن نار ريجيونال نار خرارم دكتور سعيد سعدي إدينان داكن ذو لقرار صوت ثمو القبيلة أسلن داكن ندنا إسعر إذن إهير دان شكال نوير دقسكسي يكير أمكن زمان أد ديلير ثغورين نوان شاكير أكد نفقاون أم زوارو ذيكسن ذوكير ذالي حوشين ثوالي أمتد يكان ذي تيكو سان كسيني غالي أزول فلاك أزول فلاك كما لامغير دي رفق كن ثوم ثاني ومير وكنير دي نصل ذي ذي ساني كري سقسيين أزول فلاك كمال أزول الرشيد أزول كيان دي تولا علي حوشين كي تدنيا ذا جاز كي كيرك يغران نعج توسنن نعكير أن توسنا أنت أنت سرثيث نع أن بوليتولوج سينير علي حوشين أسكت يكون نمزرو ذا شو تغورينك نع لا لكتوريز ما تخمض غف فرني نكير لذغ لرجي براتيكمون 100% de تموت لغبيل إثفرني نكير أتنغوك وصوا ترى لا أنت ولي الجزائر تسعى دو كونستيتيسيون تقديمت طايض كي ني با انكور سيني لو بريزيدون إلي تان ألمانيا مالاد أتان دو كوفيد إي سي تا نوفو لو فيد ألوغ أ كوا بون أن ريفيروندوم أو أون كونستيتيسيون سي إل نو بو ميم با ريغلي لي بروبليم دو كويزين انترن دو ليتا. Il faut peut-être préciser quelques termes. Qu'est-ce qu'une constitution ? Une constitution, c'est un texte fondamental. Fondamental. Qu'on ne triture pas tout le temps, qu'on ne change pas. Quand on doit faire un amendement, ça doit être trois quarts de l'Assemblée nationale. C'est un texte qui, certes, codifie le système politique, l'organisation des pouvoirs, etc., etc., mais c'est surtout un texte qui est destiné à médier le conflit. C'est-à-dire que quand la nation se retrouve devant une situation grave, on a recours à la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit pour trouver des solutions. Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis, avec un président qui est tout à fait, comment dirais-je, immoral, non? Pas immoral, mais imprévisible, voilà, c'est le mot. Totalement imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va faire, il fait toujours à sa tête. Il y a, vous avez dit, les institutions. Mais le problème des institutions entre des sociétés bien organisées, anciennes, et les nouvelles sociétés que sont les nôtres, c'est que chez nous, les institutions sont là, mais ne sont pas institutionnalisées. Dans le sens où personne ne les intègre, ne les intériorise, ne les utilise dans ses démêlés quotidiens, que ce soit avec le citoyen ou avec l'État. Par exemple, viendrait-il à l'idée d'un Algérien lambda à Alger, pendant les marches,
qui se fait massacrer par le policier et qui oserait invoquer ses droits ou la Constitution qui défend en principe, dans le texte, ses droits individuels. Personne n'y pensera, parce que la Constitution n'est pas là pour les gens. C'est un texte qui ne vaut même pas le papier sur lequel il est rédigé. C'est pour ça que, pire encore, dans le cas de l'Algérie, je parlerai de actuellement, depuis cette descente aux enfers sous Bouteflika et aujourd'hui, c'est même devenu, j'utilise le terme pas de façon péjorative, c'est une constipation. Dans la mesure où le résultat de la Constitution, c'est de geler les processus politiques. Enfin, politique, ça n'existe pas. Mais tout simplement, l'État. تنميه ثانيه عندنا غال سيسي نظن انه غال زيغ كمال كمال اول نهار ديك تقصن لغيوي كيدي يعني من قلق كلاس بوليتيك تموت القبائل وباش ياكم جزنا في وسط تغوص هذا كان ذو الاخرار انا راح ان ستاتو بوليتيك اذا شو ذولي كيفاش ذاك رشيد اين انا الروجي دي زيليكسيون نوتامون يتمنات القبائل جوستمون إلا أمساج إلا يزن نزمري دنك سزيس ثم زوارو ثدي فهم بليون ثم نطل قبيل سدي سنك برابورا دوت رجون ديجا فين عنان لي موين دو لوت سابا دير ثم نطل القبيل إلزون بي رجدي لي زيليكسيون أمبيشي من الأورغانيزاسيون دي زيليكسيون في فرانين جميع الدان تي نطل قبيل 0% يثمان نتن نتن سابا با دير بارتيسيبي لا لا فرود إلزون با رسبكتي لي شيفر نيدان مي داشو Ils n'ont pas cette culture politique, ils n'ont pas accumulé assez de combats, et ils n'ont pas de combats. Ce qui est le deuxième message, c'est que les gens ont fait toute une expérience de lutte, minimum depuis 1962, ils ont fait des à travers l'expérience de ça, à travers les moyens de lutte nilan, l'accumulation nilan, qui sont une résultante même historique. Donc, de mettre nous faire belli, thamnat le qbayl, thawaj ses propres institutions, thawaj sa façon, son mode de gestion, à khatar sa timougli, mais shit timougni nilan amtiyat. Et la preuve, le congrès de la Soumar, où tharbathna Ben Ramadan, ils ont organisé la révolution selon les spécificités culturelles et régionales. Donc, une signe, je suis convaincu que la révolution n'est pas décentralisée, n'est pas organisée selon les spécificités culturelles régionales. Ils ont dit que les gens ont été centralisés, donc ça veut dire qu'ils vont détruire les structures nilan. Donc le fait qu'ils ont donné des pouvoirs au niveau des régions, ils ont sauvé la révolution, à khatar ils ont laissé les initiatives et widek nilan kul tamnat ad yexdem amek sa'an allanen tmoglinsen sa'an le droit à l'initiative. Donc c'est pour ça que A5 menor belli tamourt lzayer bach tfaq gzbouq ndla et wa kan jama trouh vers une explosion voire une implosion. Il a justement à droit vers un mode de gouvernance, justement, une femme d'IA, il faudrait un droit de langue américaine. L'américaine, c'est à 50 États, et pourtant, c'est une grande puissance à l'échelle mondiale. Donc, il y a plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec l'équivalence d'une dizaine, une trentaine de pays. Il y a j'aime un droit justement vers des pouvoirs régionaux. Il y a un droit de l'Ukbaïen, il y a le sud, l'est, l'ouest, il y a un droit de spécificité. Il y a un droit vers justement des autonomies régionales, il y a un digérer selon les mouvements. Donc, justement, le message qui est dégagé par le rejet au niveau de la Kabylie, ça veut dire que c'est pour mettre fin, à mon avis, à un message pour dire stop au jacobinisme, il a qu'un droit de faire la décentralisation. Tellement que Kamal, dans la Corée, à lire, l'entêtement, vous avez vu,
هذا يروح على البعيد ماشي دوينا كي كيسرح حنا من خال السونتراليزم كي يبقى با ماشي حتى مش قبل شحال ترجو ما ترجو ذا شو السيناريو زعما تولي هذا السياق بزاف يعني لا بريديكسيون هيك جاك مونو كي تا بري نوبل il a dit que les idées c'est comme des virus. Il naît ici, il meurt là, etc., etc. Et une idée, pour celui qui l'a fait sienne, peut donner un pouvoir, une force qu'il n'aurait pas autrement. Et un peuple convaincu par une idée finit par convaincre les autres peuples. Il y a un pouvoir de démonstration. Donc, l'Algérie de demain, l'Algérie voulue par le Hirak, l'Algérie que l'on recherche, c'est cette idée-là. Une idée que les gens vont faire leur, quitte à se sacrifier pour elle. Il nous faut développer cette idée et c'est cette idée-là qui reste absente à l'heure actuelle. Dans le développement de cette idée, il y a l'aspect politique, mais pas seulement. Il y a l'éducation, l'économie, le social. Quand on voit comment sont traités nos retraités aujourd'hui, nos syndiqués, nos travailleurs, comment les hôpitaux, nos médecins, qui sont, c'est une véritable catastrophe. Cet état, c'est la négation même de ce que devrait être un état. C'est un état sans qualité, un état qui n'a aucune espèce de ressort, aucune espèce d'idée, qui va nulle part. Il faut que ça change. Et il faut se mettre à développer cette idée-là de l'Algérie de demain. Quand on me demande, mais c'est quoi cette idée? Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues dans le passé, aussi bien lointain qu'immédiat. Ces absences de réponse peuvent former une réserve à partir de laquelle envisager l'avenir. La question de la liberté, la question de l'intégration nationale. C'est la Kabylie qui fait un peu un truc comme... Pourquoi ? Parce qu'à cause de l'immigration, à cause de son passé et son indépendance. La Kabylie a été indépendante depuis 5000 ans. La première fois qu'elle a été colonisée, c'est par les Français. Si vous lisez le livre d'un ami Abdelkassem Achit sur Athiani, au temps des Turcs, Athiani a cherché à construire un grand canal pour atteindre Alger à partir d'Athiani. Elle a créé une fausse monnaie pour pouvoir ruiner la finance de la régence. C'est là toute la résistance, la résilience du Kabyle depuis toujours. D'ailleurs, regardez où sont ces maisons. Ils sont sur les pitons de montagne, parce que jadis, c'est par là qu'on pouvait se défendre contre l'État, contre le percepteur, contre tout ce qui est en dessous. Donc, la résistance kabyle n'est pas nouvelle. Plus encore, chaque famille kabyle a quelqu'un en France. Là, les allers-retours, les idées circulent, etc. Donc, nous sommes toujours en avance. Dans les années 30, 40, le PPA envoyait des Kabyles partout ailleurs en Algérie pour pouvoir politiser les gens. C'est vous dire à quel point ils étaient en avance. Donc, et comment, au lieu, ce système, au lieu de profiter de cette force, parce que les idées, on parle d'une idée. Au lieu de profiter de cette force, au contraire... On l'écrase. Oui, parce que cette force-là,
ne peut pas aller dans son sens à lui parce que c'est une caste. Depuis 1957, cette caste s'est mise en place. 1957. Ah. La deuxième rencontre du CNRA. Ah, d'accord. d'août 57, qui a renversé les principes justement du Congrès de la Soumam. Le Congrès de la Soumam, ce n'est pas seulement une organisation de la révolution, c'est la mise en place d'un nouveau système politique, de processus, d'institutions, de valeurs. Et c'est celles-là qui ont été détruites même pas un an après. On a assassiné son principal animateur. Or, c'était quoi? C'était l'Algérie algérienne. C'était l'Algérie qui intégrait les communistes, qui intégrait les pieds noirs, qui n'étaient pas colonialistes, les juifs nationaux, etc. Et on a assassiné cette Algérie-là en 1957. Et depuis, c'est des purges, ce que j'appelle la culture du coup d'État permanent. Je crois que Boumediene, s'il pouvait faire un coup d'État contre lui-même, il l'aurait fait. C'est vous dire à quel point on est rendu aujourd'hui au bout du rouleau. Donc il faut l'Algérie, il faut la renverser comme un gant. Il faut tout refaire. Tellement à lire, Kamel, à lire, il n'est de l'Hajjat Gerz Mlih Mlih depuis plus de 5000 ans. ثموث القبائل تمازغه سوماثا ثلا انديبوندونت الا ما اسمي دو سان فرنسا اي سكس لانديبوندونس لانديبوندونس اكيد ثموث القبائل اون 1857 سي بور سا كو جو فولي افغاد كوريجير عقاد لي دات دونك 1857 تكشف من فرنسا ثموث القبائل ماشا يضغى دوان يضغان ياك البي بي ا لي توال نو افريكان لاكيز بيربيريست صومام اكسيزا الا ما فرنسا زيرتفكا ثموث القبائل الجزائر سوماثا et vous avez raté zéro ou il raté et nous la thora thora des mots de l'arabeil vran qui était de la même des scénarios zéro vran la rioui macha macha les deux grandes tendances différentes d'acquen cela la voie l'indépendance l'autodétermination cela dernier ou qu'elle déclarant de la rare très mot de l'arabeil zahal zem macha dans un cadre fédéral nard dans le cadre de la régionalisation, on a qu'une erreur à s'insmer. Est-ce que c'est nous, un qui nous met toi et Kvalin, à demain, à demain, avec une convention, un consensus, d'accord, il y a un sommet à le minimum de chute de guerre et qui fait juste qui. Étant donné bien sûr l'entêtement qui est le pouvoir qui bien sûr. Fazoura Rachid d'abord, il se défend, il y a une belle الفن اللي لاند الحاجه الى امبوسيبل اون بو دير لا بوليتيك سي لارت دو بوسيبل دونك سي بور ساك ثورا الى قيون ميد دي خمام يون دي روح ديوي في مغلي الى قد دي سيك جوستمون الى فيزابيليتي دو ليدي اي دو فوار لو كونتكست اي لو كونتكست جوستمون بلي الجزائر جوستمون الي سو ان ريجيم اوتوريتير نزرا بلي ماشي اون ني با غوفيرني par des gens qui ont une culture d'État, de mise, qui vont essayer de prédire, d'anticiper, parce que c'est la gestion, gérer, c'est anticiper. C'est l'art, justement, d'essayer d'anticiper et de prévoir avant que les choses arrivent. Et qui n'est que vu la composante Nilen, où ils vont tirer vraiment des conclusions. Il faut justement éviter un chaos possible, et d'ailleurs, à partir de plusieurs crises, un chef d'État qui est absent, la crise économique, sanitaire, le COVID, contexte, la pandémie, etc. Donc, il y a des moralisés, les moyens, le refus, la population de plus en plus, l'expression du rejet, il y a un divorce total entre le peuple et les gouvernants, plus le contexte international, ça va être explosif. Donc, il n'y a qu'une lueur d'espoir qui peut venir peut-être, mais les institutions. Je ne parle pas des apparents. Il faut de la vérité, ils sont des irresponsables. Il faut remettre les créer le tiel. Il faut faire des institutions, mais les créer un créer la culture d'État, de dire blé, stop, il a qu'il y a des choses qui sont justement, il y a des choses qui sont
أمثلة تلوفة جنار ذا شو تلوفة اللي جنار الزير ماشي يوث الزير شطن مغليين الزير يوكن جوستمون إذن خلق ان سيستم دو كومبيتيسيون إلا قانغ جوستمون دو ليبيري لي زينيرجي ثمورة القبائل ساعة مغلي أمك ثمورة نيطن ساعة مغلي نزل إوا ديون دو ليبيري لي زينيرجي كل زرار كاينين إين أوتر إيدي أبار سا فين عندنا ترى ثمورة القبائل أمون أفين كاين L'idée justement qui peut faire consensus, c'est justement d'avoir un statut particulier, un état régional, une autonomie régionale, une régionalisation. Ce n'est pas le concept qui pose un problème parce que tu as dit que les Khabers, que les Mourliers, ça te dit qu'il faut faire. Mais si tu as dit ça, tu as dit que c'est-à-dire le sens que tu vas donner au concept. Donc, il a qu'il a dit que c'est un peu plus important que les gens qui ont des institutions, peu importe la dénomination, c'est une transition. Il y a d'autres générations qui ont suivi un contexte international. Il est possible d'y aller vers un référendum pour que la Kabylie décide d'une autre vision. Il y a des expériences chez Trang de la Catalogne. Il y a des gens qui ont ils ont développé leur région, etc. Ils ont prouvé qu'ils peuvent gérer, toute une région et être un État. Malgré ça, ils ont bloqué le processus de référendum. Donc, pour moi, qu'il y a un consensus en Kabylie, c'est d'y aller. Et la Kabylie, ça a ses propres institutions. Dans un cadre national unitaire, à mon avis, c'est un pas géant. Même si vous avez dit que les gens ne sont pas en train de se faire, il ne faut pas qu'on grille les étapes. On risque qu'on ait des étapes. À mon avis, c'est dangereux. Qu'on laisse l'histoire faire son cours. Donc, à mon avis, le consensus il existe par rapport à ça. Donc, je pense que la Kabylie il peut s'entendre sur un minimum qui est que la Kabylie soit dotée de ses propres institutions. Oui, je voudrais réagir un petit peu. Moi, je diffère un peu de cette façon de voir. Pour moi, ça, c'est peut-être la démarche ultime. La première étape, au niveau de l'idée, comme je disais, qui peut nous dire aujourd'hui qui est l'Algérie ? Ouais. Qu'est-ce que pense le gars de Constantine, de nos Kabyles ? Est-ce que c'est même une autre noire ? Un scénario. C'est toujours le Hukuma qui nous dit voilà comment se pense Wahran, voilà comment pense le ministre de l'Intérieur, il contrôle tout, y compris à travers les walis. C'est les walis qui vont venir dire aux gens comment cultiver la tomate. Partout en Algérie, il y a dans la charte nationale de Boumediene ce que j'appelle le schéma organiciste. Il te dit de façon texto. L'État va étendre sa sollicitude à tous les coins du pays, à l'image du cœur qui irrigue le corps humain jusqu'en ses plus infimes extrémités. Ça veut dire que le Wali, le ministre de l'Intérieur, peut savoir qu'est-ce que veut et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le gars de Batna, pour le gars de Chelrom Léaïd, pour le gars de Tizi Ouzou. C'est absurde. Il faut inverser tout ça. La régionalisation. Mais il faut aller découvrir l'Algérie réelle. Qu'est-ce que pensent les vrais Algériens ? Parce que c'est des Algériens d'emprunt que nous connaissons. Cet État, il a créé sa propre presse, sa propre société civile, ses propres groupe de partis politiques d'assassins, GIA et compagnie. Il a ses propres partis politiques. Il a créé une société en cloche. C'est ça, une société dans la société. Et quand il discute avec sa société. Ce qui fait que le reste de l'Algérie, on ne sait rien. Moi, quand je rencontre d'autres Algériens, et on discute, et on trouve tout de suite des terrains d'entente. Alors, il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut renverser comme un gant. Ce Hirak était une chance inouïe. Et si jamais cela ne marche pas, eh bien, on ira vers d'autres voies où nous serons plus égoïstes. Mais, donnons le temps. On ne peut pas
nous, notre génération, ou celle qui vient, régler tous les problèmes des générations passées et régler tous les problèmes des générations à venir. Nous avons juste à faire notre petit pas en notre... Et je dirais, dans le cadre de ma génération, je ne suis pas très fier de ce qu'on a fait, parce que à l'indépendance, on aurait dû prendre le relais, on s'est laissé faire, on est tous partis, et l'Algérie aujourd'hui est en de très mauvaises mains. تنميث علي تنميث فني كويد نيض دولا مغوكمت كمال هات سنكوتن جيرواند النووي علي انك اذا كان هات تمسلايين يتزاغين وتمسلايين بوغيرسن وكني انزر ذا شو يتخمم وهراني نقصن طينا فوق فيلي اي فيس فيرسا مشى مشى كمال كمام السيستم كي سي 62 ثوران اي لا روسي كمام فير دو لالجيريان سيتسا كي تخمم بكي هاد تيكوال تولي كي كاين لي فورم ميم هاد غوينيضا تولي زاجيريا مجازنا فاول كي لا لاي سي تي موغين باغ اكزومبل لا لا ديسونتراليزاسيون غوازنس باسكو غوازنس واحد الحاجه وعر والقبايل لاغني ويتراجو يا خاطر تولي ما تولي كتشي يشغبك وتمسات كي ليدوكاسيون سيستيم ايدوكاتيف نولا لارابيزاسيون ليساميزاسيون لابخي دي بروبونسيون اكسترودينار او سان ميم دي فامي كابيل داخل شبولتياك ذا شو تيفرات دابري في الكتشيني افيك لونتيتمون كي البوفا يغوي السراحين ام المثل جوث موت القبايل سيرتو اون سكي كونسيرن الدومين ايدوكاتيف ذا شو تيفرات كنا ام حتولي ثورا ان دينا يمثنا علي فينانن فينانن لي زوتر الجيريان ام يودي يزريون تي مغلين سنه خاطر سي فري هذا بول الجزائر يفر يفر تي تانك نتلا خاطر لي ريزولتا دو فوت فوس لاناليز دونك سي بور سا كون دوفري فير اتونسيون سي فري مي دا شو تورا انكني نوتي تسويع ثاني Il a qu'il de sauver des espaces. À justement l'arabisation et l'islamisation de la société, le seul bastion qui reste, on peut dire, presque en Afrique du Nord, de la Kabylie. C'est-à-dire, si la Kabylie cède, je pourrais dire, le château de Californie. Atroh. Donc, il a qu'un justement à dire que la chose mérite taf. Le secteur le plus important, et qu'il a dit taf justement, c'est l'éducation. Donc actuellement, la Kabylie aujourd'hui doit s'unir pour exiger son propre système éducatif en urgence. À Qatar, machin de Hajan déraja Yuan, déraja Tachirin Zneb, chaque année de Bedentloufa. Donc actuellement, l'urgence des urgences, c'est l'éducation. À Qatar, l'éducation, de la Qaraya, d'Inna, a été formé le citoyen de demain qui va être immunisé. Il fallait une éducation qui va développer un esprit critique. Et alors que Thura Nzra, l'école Zaire Ntura, il est islamisé. J'étais dans l'éducation Gitmour. Donc je connais la philosophie, je connais l'endoctrinement qui existe et les orientations idéologiques, ni l'exercice du système éducatif. Tawarif. Donc, il a Kiyouen, justement, Malathemurt al-Qbayel, il veut s'unir en urgence. L'Ahrish, Aniwid, At-Dekkel, Thura, en urgence, l'Qraya. C'est important. À Khatr Mala, le Qaraya, il ne va pas former le futur du citoyen. Le citoyen de demain, le citoyen de Nouzka, il est différent de la Kabylie. Et d'ailleurs, nous avons même les réseaux sociaux, nous avons créé les interventions de la Kabylie, des Hblit, alors que notre génération, la génération Ali, ou l'islamisme à ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un danger. Il y a, et on doit alerter, et on doit, ils mettent l'arabisation, l'islamisation, et ils mettent de sauver Tamurt al-Qbayl. Donc, il a, les acteurs politiques, il a, en urgence, يوكن الرشنة جميلين entre les mains de l'islamisation ou de l'arabisation et qui est réellement au fond l'arabisation c'est pas le but on n'est pas contre la langue arabe autant que langue toutes les femmes tayyot ou de tiqrayoun mais l'arabisation cache l'islamisation et l'endoctrinement et pour changer l'identité ntmourt l'qbayl à khatar thura assa
دوي هاد لوجيكتيف نتاعنا رشيد يسوينسن بغا نيشونجي ليدونتيتي ثنكيت نتمور نقبايل دونك اش سي لاقن يلزم زمان احرشنا ليدوكاسيون ا دينر ا تخدم الفايده نتمور القبايل تلميذ كامل درنوا الحاجه واخيلا وي لا دسي نون سولمون جو سوي انتيرمون داكور مي سي اون اورجونس il faut le faire tout de suite et ne pas exiger du pouvoir, ça ne sert à rien, il ne faut rien le pouvoir. Il faut prendre en main sa destinée. Ok, c'est ce que c'est justement. Ouais. Comment? C'est-à-dire, tu auras le pouvoir qui est en dessous, il n'y a rien à espérer, tu auras le pouvoir qui est en dessous, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à espérer. Le jour où l'université Tizi Ouzou a commencé à écrire en berbère, elle n'a pas attendu la permission de l'État. Et ça a fini par s'imposer. L'éducation, c'est tôt que les Kabyles se réunissent, décident d'un programme, le mettent en application, et les autres vont être obligés de suivre. Voilà. Vont être obligés de suivre. Vous avez la tentative de l'ancienne ministre, comment elle s'appelle ? Ben Rabret, d'introduire la Darja au niveau de l'enseignement, tout de suite, et qui ? Djabollah et compagnie. Et Djabollah, franchement, là, on ne va pas penser l'éducation avec Djabollah. C'est la négation même de l'éducation. Donc là-dessus, oui, il faut des états généraux de l'éducation et le plus vite possible. C'est bien. Tel mes talents, dans notre gawal, n'allez pas Kamel. D'accord. Il y a urgence effectivement. Tu aurais une autre Kamel à aller Hadji Gilhan. Et où je suis en jour à devoir qui est zéré. Il a besoin de nous dire. Mais voilà, tu auras un petit statut politique ni. À devoir peut-être parce que nous sommes dans la rue. Mais rassurez-moi, il ne faut pas être parce que chaque cas nous souhaite. Chacun, on va. Ça peut pareiller le système éducatif, non, elle nous s'inflasse pour sauver la chose. Je suis très heureux de vous dire, d'un cas d'il y a un chèque. Rachid, lequel d'un arrivé sous le ministre Fanou Medan, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il laisse d'accord l'un des articles que les parents d'élèves ont le droit de choisir le système éducatif à leurs enfants. Donc si on se base sur cet article, ça veut dire qu'il peut. La société, les associations, les partis politiques, où il est les partis politiques, les associations, les intellectuels, les universitaires, les enseignants, où il est les parents d'élèves, où il est Dorn, Salhan, Tmourd, où il est Mourd, Dorn, Salhan, Dreyensen, Zmered, un rapport de force, de se constituer, il est un adnaren. Fismen les droits de l'homme, bli l'un des articles des canons, bli les parents ont droit de choisir le système éducatif et de rien. Donc pourquoi ne pas dire nikini, on n'est pas d'accord avec l'arabisation, on n'est pas d'accord avec organiser le système éducatif du Mourtel Zahir. Donc c'est une manière déjà de faire un pas vers la décentralisation, vers l'autonomie régionale, vers récupérer un certain nombre de prérogatives. Donc à mon avis, qu'est-ce que tu veux dire, mais là, وإذا كنا لنا ثمرة القبائل نزمرت مسيفهمن، à mon avis la chose la plus urgente et qu'on doit dissocier de la politique politicienne ذحرش القرية، خطر ذرش، ce sont des innocents, on n'a pas le droit de jouer sur leur avenir, on n'a pas le droit de les laisser parce que pour moi je m'attends à Mbili sort d'un crime d'État, c'est-à-dire atjet ذرش hier dans un système éducatif, il développe une idéologie. Mortifère, une idéologie fanatique, on fanatise les enfants au lieu de leur ouvrir leur esprit sur l'universalité, à mon avis, ça veut dire que c'est un crime d'État. Ailleurs, un lycée français, parce que l'arabisation, jamais de Sawat, ailleurs dans de grandes universités, c'est les bourses, c'est les moyens de l'État, on peut dire du contribuable algérien, et le simple citoyen, dans un système éducatif qui est voué à l'échec, qui ne termine à rien et qui va fanatiser, qui va en quelque sorte endoctriner. الرش أني أوزمرت ساون ثيمغلي نزمرين السفر
اني ذا تسعون امشن سن يثمتي وتسعون انا فينير دونك سي بور سا كي تقول انكينا او نيفو دو لاكابيلي جو تافي داكور سي لون دي زيرجونس يوكن بلا فريمون صح ندور صالحه اثمرات القبائل اثن ميت تاع زيرو كالي اولا كان غيرو ذا سقسيان غيرو ذا شو سقسيان غيرو ياكي ذا شو از ادر نوتس ني وني كودنا نا اكثر Non, pour moi, c'est l'idée née de l'Algérie de demain, dans tous les domaines. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'État, c'est aussi l'orientation idéologique générale. Par exemple, l'ultralibéralisme veut l'appauvrissement général de toutes les populations à travers la planète pour pouvoir privatiser l'école, privatiser l'hôpital, etc. etc. Donc, il faut comprendre tout ça et développer l'idée de cette Algérie. On n'a pas parlé du Maghreb, enfin de l'Afrique Tamazra. Du Nord, Tamazra. Plus grande. Ça aussi, c'est une autre option. Et il y a plein d'options. Et quant au régime, quand on dit comment c'est très difficile, quand on se met d'accord sur une idée, tout le monde est d'accord. Bien. On leur coupe l'électricité, on leur coupe l'eau, on leur donne pas d'eau, on leur donne pas d'essence. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez que le peuple décide de couper l'eau ou l'électricité à l'Almoradia, qu'est-ce que peut faire le président? On ne peut pas lutter contre un peuple, c'est impossible. Mais il faut que le peuple soit d'accord sur son avenir. Il faut qu'il se mette à regarder dans la même direction. Et ce ne sera pas facile, parce qu'il faut faire des compromis, mais des compromis dans le cadre de l'intérêt général. L'intérêt particulier ne peut jamais se développer au détriment de l'intérêt général. Aujourd'hui, notre oligarchie, c'est son intérêt général, son intérêt particulier qui passe avant l'éducation, avant la santé, avant tout ce que nous avons dit. تنميه عليه وكذا ولي كان غيرو كمال تحاوش كان سينتيز ولي كدنا وذا ولي كان غيرو كاجو مي دوني رشيد بور سينتيتيزا شيد نسقرتش كسكسي وسا ثمرت من الجزائر باش تفرق المحنه نتاع لا ازمين روح فير دي بوفوار ريجونو كل ثمنات اتسقطش ثيمغليس ولا قنا غادي نعدي بارين ترانزيسيون ديموكراتيك تحكمن par des gens qui ont une certaine culture d'État, يمكن أدروا حد نادي d'un régime autocratique ou autoritaire ou dictatorial à un régime démocratique, ils mettent nadi par une transition. Sinon, avec le régime actuel, avec la composante actuelle, moi je ne crois pas à خاطر ذمدنن dépassé par le temps, toujours d'عاود نسميس, ils sont dans la manipulation, ils ne sont pas justement dans l'intérêt général. Mais je dis que une culture d'État, ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des hommes de pouvoir et ça représente un véritable danger. Ils sont devenus des autistes aveuglés par leur égoïsme et leur gestion, je pourrais dire, autiste. Donc, il a un nom, justement. يون أديروح فير إن ترانزيسيون ديمقراطيك يوكن جوستمون أديروح يون أدي سقردش أدي إيسوين نتوالى بلي الجزائر روزكا الجزائر بلوريال لاجيري بلوريال ديفيرسيفي تنمية كمال تنمية تعليا مي تقبلو تين فقالنا ما تكين ويت كنو مثيل دي قيمة نيزنا إسيان مليل دكوسكاسيان إدي سدون أون دينير قيمة دي تلويت